Maintenant, des migrants parce que le Québec a établi un nouveau record avec près de 60 000 demandes d'asile, et ce malgré la fermeture du chemin Roxham. Donc, Yves, ces demandeurs d'asile, malheureusement, deviennent des cibles faciles à exploiter. Absolument et d'ailleurs ce midi Michel on est dans l'arrondissement Montréal-Nord parce qu'une propriétaire d'immeubles à logement tient à dénoncer trois de ses locataires qui selon elle exploitent financièrement des demandeurs d'asile. Le stratagème est le suivant Michel, les locataires vont sous-louer leur appartement à des migrants leur réclamant des loyers exorbitants par exemple, ça peut être 400 dollars réclamés à chacun d'entre eux pour vivre entassés et cordés dans un 4,5. et demi et ceux qui sont contraints de payer ces sommes Michel ont on le sait, bien, euh, Souvent sont en attente de leur permis de travail, ont de maigres revenus euh, parce qu'ils reçoivent de l'aide sociale. Donc, cette aide de dernier recours offerte par le gouvernement du Québec. Donc, ils se retrouvent dans des logements qui sont trop petits, surpeuplés. On est devant l'un de ces logements où un locataire exploiterait financièrement des migrants. Je vais faire entendre la propriétaire qui nous a accordé une entrevue. Les messieurs, ils mettent des gens même dans le salon. C'est euh, 350, 400 par ah, migrant. Par personne, par matelot, excusez-moi, par matelot. Alors, le locataire qui fait de la sous-location à oui. ses demandeurs d'asile fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais moi, je me dis, c'est pas ça la chose qui me dérange le plus. C'est cette façon de sutiler, profiter de le malheur des gens, dans le fond là. Alors voilà, Michel, euh, vous. Oui, vous parliez, Michel, d'entrée de jeu, effectivement, de ce record battu en 2023. Je vous montre d'ailleurs des données à l'écran. Alors, entre janvier et novembre, il y a 59 735 demandeurs d'asile qui sont arrivés au Québec versus 2022, 58 805. Alors, une augmentation de 16 Et on sait, Michel, depuis la fermeture du chemin Roxham, maintenant, ces demandeurs d'asile vont arriver à l'aéroport Montréal-Trudeau ou une fois qu'ils ont quitté l'avion, vont faire la demande d'asile. Ce sont des gens, euh, principalement, Michel, qui sont en provenance du Mexique, selon des données de Praida, mais euh, ce sont des citoyens également sans visa qui arrivent de la Colombie, d'Haïti, de la Turquie et du Venezuela. Nous poursuivons évidemment notre travail de terrain ce midi dans le but de rencontrer mmh. ces migrants ouais. qui euh, sont exploités euh, financièrement par certains locataires ici à Montréal. Merci beaucoup, Yves.